restera plus rien de Gotham demain matin. Ouais, j'ai jamais vu un bordel pareil. Le soir du réveillon, en plus. C'est censé être le seul jour où on accepte de se la jouer cool. C'est la faute de Black Mask à ramener tous ses assassins comme il l'a fait. Non, vieux, il s'est... Attention, je ne veux pas d'accident. Tout doit être parfait. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Tu dois m'appeler monsieur tout le temps. C'est bien compris? Oui. Oui, oui. Oui, je comprends très bien. Oui, je comprends, monsieur. Oui. Non, monsieur. Bien sûr. Oh, ça va me rendre fou! Je vais devoir améliorer l'interface nerveuse. La bonne nouvelle, disons la meilleure, c'est que ça marche! Vous m'écoutez tous! Pas aussi bien que vous le devriez. Mais c'est un début. C'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Personne n'a jamais voulu écouter ce Brad Jervis. Il aurait tout aussi bien pu être invisible. Mais maintenant, maintenant, vous allez tous m'écouter. Parce que vous n'aurez pas le choix. Nous allons avoir de la visite. Je devrais me préparer pour l'arrivée de mon invité. J'espère qu'Alice se fait à cet endroit. Oh, comme c'est joli. Oh, je devrais me préparer pour l'arrivée de mon invité. C'est merveilleux. C'est vraiment un honneur de faire ta... Où est la fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Alice. Excellent. Alors tu sais pourquoi tu es ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris finalement. On va y remédier. Tic-tac, gare à l'horloge. Qu'est-ce que... Bienvenue au Pays des Merveilles, Batman. Oh, c'est là que j'ai rencontré Alice pour la première fois, tu sais. Ah, quelles belles aventures on a vécues. Mais ensuite, ils me l'ont enlevée. Ma pauvre petite Alice, seule et perdue. Je devais la retrouver, je devais la ramener, alors je l'ai fait. C'était un sacré voyage, tu peux me croire. Mais la revoici, saine et sauve, près de moi.
Les hommes de la reine sont partout. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici. Pour protéger Alice, qui peut-on trouver de mieux que Batman ? Tu as perdu tout sens de l'orientation. Où est l'entrée? Où est la sortie? Ciel! Oh, flûte! Par où dois-je aller? Bien, bien, tu as réussi. Mais ça t'a fatigué, pas vrai? Ta volonté en a pris un coup, n'est-ce pas? Tes pensées deviennent lourdes. Tu as du mal à garder le contrôle. Bientôt. Allez, on se reprend. On n'est pas que fleur été par ici. En fait, le pays des merveilles cache de vilaines créatures. Il fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Ne t'en fais pas. Alice est entre de bonnes mains. Un peu de thé, Alice. Ne me touchez pas! Seigneur, on dirait que quelqu'un a oublié son savoir-vivre. Vous êtes dingue! Pas dingue, Alice! Fou! Il y a une différence, ma chère. Laquelle est-ce? Vous m'en souviens pas. Demandez pourquoi je t'ai fait descendre ici. En fait, j'ai développé un appareil merveilleux. Il permet de se faire obéir. Sur les esprits faibles, il fonctionne très bien. Colle ma création sur leur tête et, comme par magie, ils obéissent tous. Sur les individus plus forts, cependant, cela requiert de la persuasion. Et cela, mon ami, nous amène à notre affaire. Tu es mon Humpty Dumpty, Batman. Ton esprit tombe en miettes. Et quand je recollerai tous les morceaux, alors tu seras à moi pour tous. Savais-tu que le temps bougeait dans 7 directions différentes ici? Mais tu es coincé dans l'une.
En avant, toujours en avant. Oh, on me sert à voir. Pourquoi n'essaies-tu pas d'aller en arrière? Selon mes règles. Toi, comme Alice, fais ce que je te dis. Obéis-moi tout de suite. Ugh!
Ils affrontent Batman. Salopard! Tu t'en fuiras pas cette fois! J'ai vu un mec. Thank you.
y a des cadavres partout. Le Joker est peut-être encore ici, dans le coffre. Je dois être prudent. Ils sont tous morts. Mais je sens qu'il se passe autre chose ici. Tu crois que tu peux entrer comme ça dans ma banque ? Roman, je suis là pour le Joker. Le Joker ? Jamais entendu parler. Et toi, poupée, tu connais le Joker ? Le quoi ? Et vous, monsieur ? Le Joker, ça vous parle ? Espèce de fumier, tu crois que je vais te laisser me voler et t'en sortir comme ça? T'es un homme mort. Mort! Mort! Je veux pas jouer le jeu! C'était toi depuis le début. Tu as engagé les assassins. C'est toi qui diriges l'opération de Sionis. Ah.